Un beau succès pour tous ceux qui, durant une semaine, ont dragué hier pour en retirer tous les encombrants dont certaines personnes peu sympathiques et peu citoyennes se sont débarrassées. En tout, des dizaines de scooters, des poêles à mazout, des coffres-forts, des caddies, sans compter une voiture de golf et bon nombre de vélos, ce sont 44 tonnes de déchets qui ont été ôtés du lit de la rivière sur seulement un petit peu plus de 2,3 km, ça se passait près de Crosnes.